je cherche ma femme, ma troisième femme. Et puis je cherche aussi mon automobile. Je l'avais laissé là devant la poste. Je rentre pour acheter un timbre. Je sors. Ah ah, plus rien. Oh, ça fait un peu cher le timbre, hein? 700 000 francs pour envoyer une lettre à ma belle-mère. Oh, je trouve que c'est beaucoup, hein? Même par avion. Elle était pourtant là devant, mais non pas ma belle-mère, la voiture. Et il y avait ma femme dedans, ma troisième femme. Oh, elle m'avait coûté 200 000 francs, hein? Plus l'épargne, la vaisselle, les cadeaux, le whisky. Enfin, ça me fait une perte d'un million, quoi, tout compris avec la voiture. Et, oh. Je venais juste d'en changer, hein, de voiture, de femme aussi d'ailleurs. Non, parce que l'autre était trop vieille. Oh. Elle ne tenait plus debout. Pour la ville, ça allait. Mais quand il fallait aller un peu loin là, toujours quelque chose qui ne marchait pas. Remarquez que je l'avais depuis 10 ans, hein. Ma deuxième femme aussi d'ailleurs, hein. Oh, c'est pas éternel, hein. Il s'agit de savoir s'en servir. Oui, c'est la période de rodage qui compte. Ma première voiture, je l'ai eue d'occasion. Ma première femme aussi, d'ailleurs. C'est un coopérant qui me l'a revendue. Il rentrait définitivement chez lui. Oui, oh. Elle était encore pas mal, hein, la voiture. Non, parce que ma première femme, elle était plutôt moche. Oh oui. Mais pas cher. Ouais, j'ai dit, pour un début, c'est vrai, j'avais pas une grosse situation à l'époque. J'étais un petit fonctionnaire. Alors je l'ai refilé à un copain qui bricole. Je lui ai dit, dis donc, tiens, dis donc, retape-moi ça, hein, que je puisse un peu m'amuser, hein, quoi. Oui. Oh, il me l'a gardé 2 mois. Ah oui, hein. 2 mois complets, il l'a regardé sous toutes les coutures. Un type sérieux. Il a travaillé dessus comme si c'était pour lui. Oh, je crois qu'il a fait le rodage des soupapes. Il a entièrement revu l'allumage, la carburation, oui. Et puis un jour il m'a appelé, il m'a dit voilà, Ambroise, tu peux la reprendre, hein. Oh, je ne la reconnaissais pas, hein. Douce, oui, oh, maniable, obéissante. Il me l'avait remise à neuf. Pendant 5 ans, impeccable, oui, partout à la ville, hein. Oui, en brousse, oh, formidable. Et puis un jour, hein, aïe, 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 vidé, plus rien, plus moyen d'en tirer quoi que ce soit. Alors c'est elle-même qui m'a dit, maintenant que tu as une situation, prends-en une autre, hein. Oui, oui, c'est elle-même qui m'a poussé à prendre la deuxième. Mais celle-là, je l'ai eue en meilleur état. Oui, c'est un Libanais qui me l'avait cédé. Il ne s'en était pratiquement pas servi. Même pour descendre, il coupait les gaz pour l'économiser. Elle était un peu légère. C'est vrai, non, parce que moi je les aime plutôt confortables. Avec des trucs. Hein? Quand on a les moyens, pourquoi se priver, hein? Mais je n'ai pas laissé l'autre, la première. Ah non, 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 je l'ai gardée. Hein? D'ailleurs, au début, il n'y avait pas de problème. Je prenais tantôt l'une,
Tantôt l'autre. Je changeais toutes les semaines. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu me servir de la première. Alors, j'ai pris l'autre tout le temps. Seulement, elle consommait beaucoup. Oh, 15 litres. Non, pas par semaine. 15 litres au sang. Oui, ma femme, 2 casiers de bière par semaine, c'est trop. Beaucoup trop. Et puis un jour, je me suis aperçu que ma première femme se servait de ma première voiture. Ah, j'ai dit non, il faut en revendre une. Oui. Bon, après une hésitation, j'ai revendu la voiture. Avec l'argent que j'en ai tiré, je me suis dit, dis donc, Ambroise, tu vas acheter une troisième femme ou une troisième voiture? Il y en avait une qui me plaisait bien. Ah oui, c'était une marchande de billets de loterie. Il y avait une voiture à gagner. Alors je lui prends une dizaine de billets, histoire d'engager la conversation. On sort un peu ensemble. Je gagne quoi? Oh, la voiture. Et elle gagne quoi 9 mois après? Oh là là, un beau bébé. Oh, mignon, hein. Alors, bon, je prends la troisième femme, le premier petit, je mets tout ça dans la troisième voiture et je rentre chez moi en filant au village. Aïe, 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 là, qu'est-ce que je prends, hein, là-bas, mes parents et tout. Eh oui, tu veux faire le malin, hein, épater tout le monde. Après tout, qu'est-ce que tu es? Ben, je dis, je suis fonctionnaire, hein. Alors, qu'est-ce que c'est, fonctionnaire? Ben, je dis, halte, halte, hein, attention, ne dites pas du mal des fonctionnaires, hein. Il en faut, hein, il en faut beaucoup. La preuve, c'est que les pays surdéveloppés en ont énormément, hein. Bon, alors là, ils m'ont parlé de famille, de coutumes et tout, quoi. Mais je les ai quand même gardées toutes les 6, mes 3 femmes et mes 3 voitures. Et elles me rendent bien service, hein. Ah oui, oui, oui. Elles se conduisent bien. Je démarre. Je passe la première, je pousse un peu, je passe la deuxième, la troisième, et puis mes voitures, si je les revends, je peux en tirer quelque chose, tandis que mes femmes, oh là là. Tiens, à propos, ça vous intéresserait d'en avoir une d'occasion, hein? Je vous la ferai à un bon prix, hein? Je vous la fais même essayer, oui. Bon, allez, venez me voir, oui. Bon, en attendant, je n'ai pas retrouvé ma troisième. Après tout, c'est peut-être ma troisième femme qui a foutu le camp avec ma troisième bagnole. Non, elle ne sait pas conduire. N'apprenez jamais à conduire à vos femmes si vous voulez garder vos voitures. Oh. Mais alors, si c'est pas ma femme, c'est qu'on me l'a piqué. Écoutez, si le voleur est dans la salle, je lui lance un message. Hein. Je lui dis publiquement et je prends mes responsabilités. Je dis, hey, mon frère, rapporte la bagnole, tu peux garder la femme. Oui, vraiment, cadeau, d'accord. Oui, d'accord.